Genre, ça va être catastrophique parce que je sais vraiment plus où on en était et je sais plus jouer et je crois que je vais juste me balader pendant une heure et me paumer et pas réussir vraiment à faire quoi que ce soit. Vous ne mourrez peut-être pas de peur, mais franchement, après ce qu'on a vécu là, mec, tu peux m'envoyer ce que tu veux à la gueule. Il n'y a pas de problème. Ok, alors voyons voir. Donc déjà, on était là. Je crois que la dernière fois, on avait... Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Joyau rouge, médaillon de l'aigle. Une clé du casque. Ouais. ok, bon bah écoute, très bien. Très bien, très bien. Ça se trouve avec quoi, ça? Je sais même pas, ça m'a même pas dit. J'aurais dû regarder sur la map. Ok, d'accord. C'est pas grave, franchement, tu sais quoi? C'est pas grave, parce que d'apprendre... Oh putain, si. C'était ici, et j'avais foutu « Je n'ai pas changé » de Jacques Villeray, ici. Je me souviens de ça. Oh putain, heureusement que je fous de la musique dans mes streams, putain. Oui, 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 si, 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 j'avais foutu. Mais toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même parfum léger. Ouais, 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 si, 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 carrément. Ok. Alors, ça met nous, ça. Eh ben, en fait, je suis pas si paumé que ça, hein, mine de rien. Merde, j'ai oublié de changer. Oh putain, j'ai oublié de changer le dashboard et tout. Quel abruti. Je sais pas si vous l'avez vu, mais on a un copain. Attends, bouge pas, je fais ça vite fait. Resident Evil HD. Et un remaster. Paumé. Obligé de vendre du matos. Voilà. Pas de problème. C'est Tipa. Petite référence. Ok. Alors, il est comment le son? Connard. Connard. Tiens, sale enculé. Ok. Pourquoi je rame? Pourquoi ça rame? C'est pas censé ramer. J'ai plus de place du tout dans mon inventaire. Oh là là, en plus, je peux rien virer. C'est quoi, ça? Mais oui, mais attends, il va falloir beaucoup de place, là. Il est mort, lui? C'est pas, ça m'intéresse pas. Il faut que j'aille faire de la place, vite fait. Crame-le. Ben, j'ai pas d'allumette comme dans The Evil Within, donc tu vas le cramer tout seul, je t'emmerde. Je vais aller faire de la place, vite fait. Il va falloir que je foute des trucs dans un coffre. En voyant voir, est-ce que tu penses que je peux me repérer sans mon sans la map? Parce que je crois que je connais l'autre aile. Attends, on va tenter. Hop, par là-bas, je crois qu'il y a un coffre. Et je crois que c'est safe en plus, c'est surtout ça qui est intéressant. Alors, comment c'était Lost in Vivo? C'était intéressant. Les premières minutes étaient terrifiantes. Il y a le passage avec le chien était terrifiant aussi. Mais sinon, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Je suis pas mécontent d'avoir fait, tu vois. Bon, bah, s'il se relève en Crimson Head, good luck. Mais non, t'inquiète pas. Oh là là. Oh là là, l'inquiétude. BSG, c'est bon. C'est rien, mec. Sois cool, man. Mec, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un Crimson Head dans une vie? C'est rien. Ouais, à plus, Chubby. Merci d'être passé, man. Énorme zoubi pour le Chubby. Putain, je suis bien un taureau, quoi. Alors, est-ce que j'ai fini d'utiliser la clé casque? Je crois que c'était la seule porte ouverte avec la clé casque, non? Le problème, c'est qu'ils te le disent pas dans ce putain de jeu, là. Merde. Fous ça là. Médaillon de l'aigle, pour l'instant, on va le foutre là. Parce qu'au pire, c'est pas grave, tu sais, on peut revenir pour changer la... L'inventaire, tu vois ce que je veux dire? On peut revenir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que, ouais, on va prendre un petit peu de temps histoire de tout récupérer et être sûr qu'on loupera rien. Je stresse pour tes petites fesses en nougatine. Oh, bien jeu! Tu es trop mignon! C'est un peu gay, mais c'est pas grave. J'accepte quand même. Écoute, si on peut plus stresser pour les petites fesses en nougatine de nos copains, je veux dire, on vit dans un monde viriliste, quoi. Et si on peut plus. Non, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je pense que je suis très loin de la fin. Parce que, à la vitesse à laquelle je vais... Enfin, je suis tellement lent, quoi. Je suis tellement lent. Et en plus, je crois que là, vu que j'ai plus la clé, je pourrais plus ouvrir la porte que je pouvais ouvrir tout de suite, là. Si?
Si ça se trouve, j'ai viré la clim, il va falloir que je refasse encore un aller-retour. Oh putain. Oh les inventaires quoi. Oh les inventaires. C'est pas trop un problème ça, dans Resident Evil 2 HD Remaster, enfin dans le remake, même pas le HD Remaster, dans le remake, tu fais pas trop ça. Tu fais pas trop... Non, ça c'est bon. Tu t'as pas trop d'emmerde avec les inventaires. Tu t'y fais, tu vois. Même en hardcore, hein. Mais putain, le premier, il est encore un peu raw, tu vois. Raw! By the power of raw! Si les Crimson Head, BFG, je te suce la bite. Putain, j'espère qu'il est pas Crimson Head. Je vois rien. Je vois rien. C'est pas un Crimson Head, c'est le Hunter. T'es bien niqué. Ok, très bien. Alors, la visée comme ça, c'est pas top. Nique ta mère. Ok. Non, c'est pas ça. T'es bien niqué, là, hein. Ah. T'es bien... Impossible de combiner ces objets. Pourquoi? C'est quoi? Des munitions de fusil. Ah, c'est des munitions de fusil. Bah oui, mais con. Bah oui, abruti. Munitions de fusil. C'est pas grave. Un munition de fusil de chasse. C'est une munition de fusil de chasse, ça. Putain, je me souviens même plus de la gueule qu'ont les trucs. Vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Ah, bon bah écoute. Tant mieux. Hop, un poignard en rab en plus. En fait, j'avais pas tant besoin d'espace que ça. Hein. Vassistos. Dino boîte à bijoux. Très bien. Il venait d'où, lui? Il est où, lui? Vous êtes tous mis d'accord pour me mettre la rage? Mais attends, je comprends pas. Il est pas passé d'une double porte, là? On peut pas, y accéder, nous? Mais je suis fou, quoi. Attends. Elle est comment, la map? Ah non, il y a que dalle, en fait. Il était planqué dans un genre de placard, en fait. Non, c'était... Oui, il était littéralement planqué dans un placard. Non, y a même pas de couloir ni rien, en fait. Il est con. Alors, attends, fais voir. J'imagine que là-dedans, il va falloir justement l'emblème en forme d'aigle. On dit pas un aigle. On dit un oiseau de couleur. Boîte à bijoux. Il y a une cavité ronde d'environ 4 cm de diamètre. Ouais, je pense que ça va être ça. Ok. Allez, retourne au coffre. Le mob qui a fait son coming out. Il est sorti du placard, c'est ça, comme Tom Cruise. C'était un des rares épisodes de South Park qui m'a fait rire. Non, c'est pas vrai, il y a quand même pas mal d'épisodes qui m'ont fait rire. Mais récemment, pas trop, tu vois. Après, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, hein, j'admets. Ça tourne toujours, South Park, ouais. Il y a toujours des épisodes. Putain, on n'entend plus parler, hein. Moi, en tout cas, j'entends... Waouh, un petit AVC. Bonne soirée, you, le monde a plus, c'est... Yes! Et bah, toi aussi, Toons. Y'a pas de problème. Chacun sa vitesse. Ils sont toujours à 1 par semaine, c'est des niqués. Putain, la vache. Ah, ils lâchent rien, les mecs. Hein. J'ai regardé un documentaire sur comment ils faisaient les épisodes, tu vois. Qui datait un petit peu. Et c'était assez impressionnant la rigueur avec laquelle ils bossent, en fait. Et ouais, parce qu'une semaine, en fait, ils doivent faire plein d'épisodes pendant une semaine. Et bon, ils sont quasiment tout le temps déchirés, déjà. Et en même temps, ils prennent du LSD de ouf avant de faire des... avant de faire des panels et tout. C'est des gros malades, en fait. Mais oui, ils ont dû un petit peu calmer le jeu en ce moment. Ça doit pas être aussi violent qu'avant, quoi. Alors, est-ce que tu penses que c'est le... comment ça s'appelle? Fusil d'assaut. Ah oui, d'accord, c'est ça, c'est le fusil d'assaut, en fait. Le médaillon de l'aigle qui va dedans. Chaque fois je me gourre. Combiner. Non, impossible de combiner ces objets. Rien d'inhabituel. Hein. Mais alors que dois-je mettre? Oh non, oui, c'est le bijou rouge que je dois foutre là-dedans. Normalement. Je pense. Fais voir. Joyau rouge, ouais, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Regarde, bim, bim, bim. Et non, pas examiné. Oh, 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 oh. Et pélo, et pélo. Je suis en train de galérer là. Combiné. Et bim. Oh yes. Je me suis chié dessus.
Sérieusement? Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé façon puzzle. Je peux pas le tourner? Non, je peux pas le tourner. Bah, du coup, c'est comme ça, hein. Y'a pas vraiment d'autres coins où on peut le foutre. Ça. Ça. Bah, non. Bah. Ah, mais si, on peut les tourner, putain, quel con! Ah, voilà, ça sert en haut. Comme ça. Toi, tu vas pas là. Il faut que tu sois droit. Tu vas aller. Hein, par où tu peux aller, toi? Attends, tu sais quoi, on va te mettre après. Ça. Ça, c'est un bout d'une égide. Ça se met au milieu, comme ça. Comme ça où? Non, peut-être pas maintenant. En fait, on va en mettre aucun si ça continue comme ça. C'est un gros bout, ça. Si je puis dire. Et on peut pas faire de rotation semi-angulaire. Ok. Ça comme ça. Lui. Qui a un gros bout. Ah oui, non, comme ça. Non, pas du tout. Comme un enfant. Comme un roseau. Attends, je suis en train de me galérer. Mec, je suis en train de me galérer là. Tu l'as mis à l'envers celui du haut. Ah bah oui, il est en bas. C'est une crête, donc c'est. Bah oui, c'est en bas ça. Non, non, je quitte pas l'énigme. Oula, non, t'es sûr? Hein, ah, peut-être. On va tester. Tu sais quoi? Hop, voilà. Vu que vous avez tout le temps raison, on va tester comme ça, hein? Ça, c'est quoi? J'arrive pas bien. J'arrive pas bien à voir, en fait. Comme ça? Non? J'arrive pas à me rendre compte. Ça va durer extrêmement longtemps, quoi. Ça va durer extrêmement longtemps. Non, pas lui. J'ai dit pas lui. Ça. Ça, c'est là, ça. Je crois. Non? Si, on avouez, ça a l'air d'être là, en tout cas. Attends, je me galère. Allez, non, mais go. Pousse-la, voilà. Ça. C'est. Voilà, c'est ça. Ah oui, comme ça. Du coup. À mon avis, c'est comme ça. Voilà. Lui. Comme. Ça veut pas dire grand chose, hein. Bah, si, c'est comme ça, non? Non? Non, ça veut rien dire ce que je fais là. Wallah, c'est ça. Bah, si, pourtant. Non, mais attends. Si, on est bien d'accord, il y a de la symétrie et tout. Mais t'es vraiment taureau. Mais je crois, ouais. Il me semble. Attends, on va les placer un petit peu mieux. Tu sais quoi? Parce que ça se trouve, le truc, il est un peu finicky, comme on dit. Toi, là. Hop, descends un petit peu. Descends un petit ponche. Hop, voilà. Toi, c'est pareil, tu vas descendre un peu. Allez, non, allez. Je veux, voilà, lui, voilà. Hop, voilà, comme ça. Mais j'essaye de le mettre, regarde! C'est ça le bruit que ça fait! Voilà! Il fallait que je le décale un tout petit peu parce que ça passait pas. Et le dernier bout. Ah, si. Allez, voilà, si merde! Et voilà, comme ça. Tout pété le truc. Une broche à l'intérieur. Hein? Qu'est-ce que c'est que ces emmerdements? Rien d'inhabituel. Si, si, y a un truc. Y a un truc, poteau. C'est quoi ça? Y a un truc, poteau. Y a un truc. Y a. Poteau, y a un truc. Appuie. Ah, voilà. Schlick. Elle s'est transformée en clé. Clé emblème. Eh ben voilà la clé emblème. C'est un cran d'arrêt. Une putain de clé à cran d'arrêt. On va ranger ça, on va ranger ça aussi, ou alors à moins que je fasse une petite save maintenant, ce serait bien de faire une petite save maintenant, putain. Tu sais quoi, je vais aussi me faire un petit chef, un petit verre, on a soif, merde, attends. Une clé à cran d'arrêt, c'est quand même stylé, il y a des gens qui ont des clés USB à cran d'arrêt et je trouve ça extrêmement classe. Mais non, pas examiner, putain, à chaque fois, non, combiné. Non! Eh mais, c'est inventaire quoi. Ok, voilà, mélange d'herbes, ça c'est bon. Je vais prendre un rouleau encreur vite fait pour faire une petite save tout de suite. Petite suite. Et ensuite on est go, hein? On t'y part? Je trouve qu'on se démerde pas trop mal. Pour l'instant on a fait grave de l'avancement.
On a presque tué un ennemi. Après, une lame à cran d'arrêt, c'est pas mal aussi. Mais honnêtement, tu vois, quitte à avoir l'air d'un fragile, j'utilise plus souvent une clé qu'un couteau. Notamment pour tabasser des indigènes. Des indigents, même. Donc, voilà. Mais je comprends. Et le mélange d'herbes. Weed. Ok, donc on... Attends, par contre, du coup, ça va m'ouvrir quoi, en fait, là? Qu'est-ce que ça va m'ouvrir? Je sais pas du tout ce que ça va me foutre. En forme d'aigle. Hein. J'ai la clé emblème. C'est ça que j'ai, c'est la clé emblème. Smoke weed every day. Ouais, la clé emblème. Et je me souviens plus quelle porte a le truc de la clé emblème. J'avoue que je suis un peu paumé. En bas, peut-être? Non? Je sais pas trop ce que je dois foutre aussi avec le médaillon de l'aigle. C'est pas tout à fait... Jarashtafari. Je suis pas super bien organisé. J'aurais dû lire une solution entière avant, en fait. Ça aurait été plus simple. Est-ce que tu penses... Non, ça s'ouvre déjà, ça. Ça, j'ai pas besoin de... J'ai rien à prouver là-dessus. Ok. Et en bas... Est-ce qu'il y a des trucs qui s'ouvrent avec des choses particulières en bas? Il y a des marques octogonales sur la droite et la gauche de la porte. Ouais, du coup, ça a rien à voir avec ce que j'ai, moi. C'est pas octogonal, ça? Non. Ok, très bien. Ok, on va essayer de monter. On va juste tester les portes dès qu'on n'a pas encore testé et c'est tout. Hein. Tiens, regarde, en face. Non, premier étage. Qu'est-ce qu'on a pas ouvert au premier étage, là? Ouais, tu vois, il y a des trucs là-bas, là. On va tester ça. Allons tester ça. Clé emblème. Je me souviens plus du tout, mec. Je me souviens plus du tout de notre cheminement. Je suis sûr que la dernière fois, en plus, j'ai dû dire « Bon, bah allez, on finit ça la semaine prochaine. Je pense que ce sera bon. On doit pas avoir trop grand-chose à faire encore. » Connard. Je me déteste. Faut que j'aille dans Lost in Vivo. J'avais un Labrador Terre-Neuve, il était bien calme. Putain, un Labrador Terre-Neuve. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Sale enculé. Sale enculé, putain. Je vais par où? Y'a pas des Crimson Head ici? Non. J'ai rêvé, ok. Fais gaffe de pas le paumer dans un égout, hein, ton chien. Hein. Parce que ça apporte des emmerdes, je suis bien placé pour en parler maintenant. Ok. Ah, sweet nectar of the gods. Ah oui, il y avait un truc ici aussi. Oui, eh ben c'est peut-être là d'ailleurs en plus. Maintenant que j'y pense. La clé emblème. Non mais c'est l'emblème d'un casque. Non mais tu te fous de ma gueule. Non mais tu te fous de ma gueule. Oh putain, faut que je refasse. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Avoir un bon copain. Oh putain, je sais même pas où ils sont le coffre le plus près. Je sais même pas où il est. Si, peut-être à côté de l'escalier là. Fais voir, parce qu'il y a un escalier qui est là et qui descend. Non, ça doit être celui-là là-bas. Ok, il va falloir que je passe par là. Et c'est cette porte-là, c'est ça? Oui. Je rentre là-dedans et il doit y avoir normalement un escalier qui va mener directement à un coffre. Allez, rentre! Putain, elle est conne ou quoi? C'est beau les gros chiens. Oui, c'est beau les gros chiens, mais souvenez-vous que tous les chiens sont les enfants de Jésus. Donc il n'y a pas de chiens moches. C'est impossible. Il y a des chiens cons. Il y a beaucoup de chiens cons. Mais des chiens moches, c'est impossible. Ils sont tous beaux.
l'absence de hunter et de zombies de toutes sortes, j'avoue que ça me met qu'à moitié bien. Je sais pas pourquoi. Ça devrait être l'inverse, mais ça devrait être rassurant, mais non, je trouve qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, la clé casque, elle est où ? Clé du casque, voilà. Et du coup... Ah bah non, c'est bon. J'ai mon lance-grenade, j'ai mon ça... Et bah, il y a beaucoup de cassons, non ? Le chien de Marsois, il est mignon, mais sacrément con. J'ai mis le chien dans le même, parce que je savais pas où le mettre. T'as mis ton chien ? Attends, je veux voir. Parce que moi, je veux voir les chiens. Fais voir. Oh, bébé ! Trop mignon. Adorable. Adorable. Ouais, je suis d'accord. Si, si y en a qui sont super intéressés, il y a un super Discord. Avec des chiens trop mignons dessus maintenant. Ok, alors, on va refaire le chemin inverse. Ouais, par là. Ça existe pas les zombies, t'es bête ou quoi? Putain, mais Momo, mais me parle pas comme ça. Putain, Momo. Un peu de respect, vas-y, je suis trop pas respecté à ma juste valeur. Il est pas là, Aidan, pour venir sur le Discord. Ah non, c'est un Discord qui est interdit au moins de 8 ans et demi. Donc Aidan, il va falloir qu'il aille se faire foutre, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça, hein. Allez, go. Allez, normalement, c'est bon, là. Vous allez pas me faire chier. Allez, allez, hop, j'ai fini le jeu, allez, hop. J'ouvre la porte et c'est les crédits, d'accord. On fait ça ? Vous n'avez plus besoin de cette clé. Ah, voilà. Là, on n'a plus besoin. Putain, voilà. Ah. Quelque part, je suis rassuré. Oh. Je suis où ? Ok. Ouh ! La weed ! Weed. Voilà. Et j'ai toujours adoré ces points de vue. Il y en a beaucoup... Il y en a beaucoup dans Resident Evil, il y en a aussi beaucoup dans Alone in the Dark de New Nightmare. Les points de vue où on te regarde à travers une fenêtre. Ah! J'ai chié. Ouh! Gros serpent, gros serpent. Oh! Oh! Ouahou! Gros serpent. Oh, il me pousse! Il me pousse, je me suis pété. Il me pousse, ce con! Mais il m'a fait super... Oh, il m'a pété la gueule. Voilà. T'as plus peur des serpents ou des grosses araignées? Ah oh, bah des grosses araignées. Je m'en fous des serpents. Ah. Très bien. J'ai pas du tout peur des serpents. Honnêtement, les araignées, je supporte pas, mais alors les serpents... Succès déverrouillé, Monty Python. Hi hi hi. Hi hi hi. Trop marrant, Steam, sale enculé. Putain. Manque de respect total pour mon œuvre. De vieux livres sont tombés sur le sol. Il y a des gens qui ont plus peur des serpents que des araignées d'ici, quand même. Le dernier livre, volume 2. Ah, je pense qu'il va y avoir du coup un autre objet là-dedans, un autre médaillon. Fais voir. Eagle of South, Wolf of North. Et voilà. Un médaillon. Et c'est quoi le médaillon du loup? Et voilà. Non, les serpents, c'est mignon de ouf. J'ai peur d'aucun des deux. Te la pète pas trop, Hoffman. Parce que moi, je peux t'enculer, hein. Fais gaffe. Alors, du coup, on part par là. Et voilà, on va partir par en face. Tac. Y'a rien d'autre ici, je suis pas fou. Non, là. Là, c'est certainement pour se mettre à couvert quand tu joues. Ah bah non. Non, c'est juste le couloir, en fait. Ok. Parce que je vous avoue que je vois pas grand... Ah. Ah. D'accord. Bah, ok. Bah, c'est super. Merci. La poignée de porte est cassée. Du coup, j'ai juste l'air d'un con. Je comprends pas trop mon cheminement dans ce jeu, en fait. Je vais littéralement là où le vent me porte. Et pas trop grand chose d'autre. J'irai pas jusqu'à dire que c'est grave, hein, mais bon.
Parce qu'en plus, les deux symboles que j'ai, là, c'est même pas des trucs à foutre dans les deux portes qu'il y a en bas, enfin, dans les ouvertures hexagonales. Alors, je sais pas ce que je vais en foutre. Un lion et un aigle. Où est-ce que je vais pouvoir foutre ça, bordel? Non. Un loup et un aigle. Où est-ce que je vais pouvoir foutre ça, moi? Il y a une porte dehors? Oh, hey, mec. Soit pour accéder au labo en extérieur. Mais me pose pas la question, poteau, j'ai aucune idée. Faut voir, c'est quoi, il y a une porte là-bas que j'ai pas été encore. Elle est où? Elle est au fond, là? Ouais, elle est au fond. Qu'est ouvert par cette porte? La porte est verrouillée depuis l'autre côté. La putain de Tara, c'est ce que j'ai regardé tout à l'heure, espèce de con. Russiane, concentre-toi un peu, là. Je sais où tu vas l'en foutre. T'es un marrant, toi. Max 77. Est-ce que je peux... Tu penses, genre... Bah non, je suis déjà passé par là. Oh, putain. Eh, les gars, je l'ai mis où, ces putains de médaillons? À l'aide, quoi. Médaillon du loup. C'est tout ce que t'as à me dire sur ce putain de médaillon? Pas faire un petit zoom, là. Y a rien de ouf là-dessus, là. C'est trouvé dans le dernier... Ouais. Attire un usage particulier. Je sais pas. Je sais pas, mec. Je sais, tu me poses la question, il regarde son médaillon, il fait « A-t-il un usage particulier ?» Je peux pas te répondre. Actuellement, je peux pas te répondre. Je suis désolé, hein. Mais c'est triste, mais c'est comme ça. Alors. C'est quoi, je... Et dehors, faut voir dehors. Pour moi, de mémoire, ces deux médaillons, tu les fous dans la fontaine à l'extérieur et tu ouvres le labo. Dans la fontaine. Il y a une fontaine? Ah ouais. Dis-moi en plus. Attends, c'est par là, non? S'il faut qu'on sorte, je crois que c'est par là. On va voir. On va tester. Tu sais quoi? J'ai dit que ça allait être le stream où on allait galérer. Donc, du coup, faut pas se tenir. Et au bout d'un moment, ça va sourire, c'est tout. C'est l'amélioration, c'est l'improvement. Ça s'ouvre, ça? Voilà, regarde. Le progrès, c'est le progrès, hein, je vous l'ai dit. Hein. Je vous le répète en boucle, mais... Ça va vraiment être la partie filler, où il se passe que dalle. Ah oui, il y avait un puzzle chiant ici, avec des oiseaux, en plus. Et on avait réussi à les cheese, je crois, les oiseaux, parce qu'ils étaient cons. Ok. Au bout d'un moment, ça va. Exact, Max. Je suis bien d'accord avec toi. Bien d'accord avec ce que tu dis. Au bout d'un moment, il y a un truc devant moi. Il y a un truc devant moi, mec. Ouh, putain, oui, il y a un truc devant moi. Ouh. Oh non! Eh non, ça c'est dégueulasse. Eh mais c'est dégueulasse. Mais non, j'avais ouvert. Putain, pourquoi ils m'ont pas fait rentrer directement? Oh, les connards! C'est quoi devant moi, là? Qu'est-ce que c'est? Je suis où? Il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Allume la lampe. Il fait trop sombre. Allume la lampe. Allume la lampe. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Oui, allume la lampe. Je vais me chier dessus. C'est quoi, ça? Objet métallique. Ouais, m'aide pas, surtout, hein. C'est quoi? Un objet en alliage. Un emblème est gravé dessus. Rien d'inhabituel. Si, c'est très super inhabituel. Du coup, ça, c'est un hexagone. C'est un des deux hexagones qu'il faut foutre dans les portes qui mènent en bas, je pense. Je suis pas un expert, mais à mon avis, c'est ça. Une série d'ouvrages scientifiques. Ils traitent presque tous de biologie. Est-ce que j'ai ramassé tout ici? Non, il me reste encore un truc. Une batterie au lithium. Ah oui, ça, c'est pour le taser. Et là, c'est bon? Toujours pas. Des putains de cartouches. Attends, est-ce que je peux mixer deux vertes? Oui. File-moi ça. Yes. Oh, gimme. Gimme, gimme. Ok. Et donc, normalement, là, c'est bon. J'ai tout chopé. Voilà, là, j'ai tout chopé. Alors, par contre... En sortant, on va avoir le droit à la visite impromptue d'un gros copain à nous. Quelqu'un de super sympa. Je voulais voir un truc.
genre dehors, il me restait pas genre un objet à foutre quelque part. Maintenant, il faut que je sorte direct, non? Putain, mec, je sais plus. Salut les bikers. Ça c'est le deuxième et ça c'est le basement. Elle est où la fontaine susi nommée? Tu crois que si je sors, je vais me prendre une cacahuète ou pas? Je crois qu'il est encore en l'air et a essayé de me foutre des pains dans la gueule. Je vais me faire chasser. Cours. Eh oui, bonsoir. Aouh! Pardon, je passe. Merci beaucoup. Putain. C'est trop sur mes nerfs. Ce soir, je pense que ça a été beaucoup trop stressant pour quelqu'un comme moi. Qui a vite tendance au stress, justement. Ok, viens voir. Parce qu'il y avait un truc ici, là. Je l'avais réussi à le faire, ça, ou quoi? Symbole s'emboîte parfaitement. Non. Enfin, attends, le cercueil maudit. Moudzi! Est-ce que tu penses que, du coup, je peux foutre celui qui est en métal, là? Non. Mais celui qui est en pierre, oui. Donc il va falloir trouver un enchâssement comme ça, mais en métal. Et je pense que ce sera notre porte de sortie. Mais non, le reprends pas. Ah, putain. Je suis pas aidé en plus. Hein. Déjà que moi, de base, je rends pas les choses forcément faciles. En plus, si le jeu et le personnage sont un peu con-con, ça va vraiment être très long. Il y avait quoi ici déjà? Oh putain de sa mère. Je suis vraiment pas concentré. Quand les gremlins prennent des protéines, ça donne ça. Quoi? T'es clatax toi aussi. Alors, il y a quoi là-bas? Il y a rien du tout. Très bien, du vide, intersidéral même. On peut pas appeler que dalle là. Non, il y a que dalle. OK. Les gars, j'ai envie de dire, voilà, je suis paumé. on va faire un petit tour. On va faire un petit tour d'inspection, d'accord? Si quelqu'un se souvient d'où il faut aller pour foutre l'emblème de l'aigle, l'emblème du loup et l'objet en métal, en alliage, comme le groupe. Baila, te quiero amo, ton souvenir me poursuit encore. Baila. Quand tu danses avec moi, je suis fou de toi. Si réussir à la force, ça serait étonnant que tu te paumes pas. Mais quelque part, je pense que ça me conforte. Tu vois ce que je veux dire? Eh putain, j'ai été empoisonné, je pense. Tu vois ce que je veux dire? C'est rassurant que je me paume. Je sais pas où je vais. I don't know where I'm going. Comme le chantait Down. Il n'y a pas besoin pour l'instant. Ah, je suis pas empoisonné? Ah non. Bah tiens. Étrangeté. Je murmure ton nom, étrangeté. On dirait qu'il y a quelque chose derrière. Bah ouais, bah aide-moi alors. Connard. Trouve le deuxième emblème qui ressemble à celui que t'as en rouge. Ouais, mais il était en haut quoi. C'était en haut, c'était celui qui était en pierre. Celui-là, là. C'était celui... Il faut que je retourne le récupérer, c'est ça? Putain, je suis sûr que c'est ça. Faut que je retourne le récupérer et que je les enchasse dans les portes qu'il y a en bas, non? C'est bien les hexagones. Attends, faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Okay. Non, c'est les octogones. Mais... Ok, oui, non, c'est ça. Faut que je remonte, je reprends celui qui est en pierre et je vais les foutre dans le portail qu'il y a derrière là, c'est ça. Non, trouve le truc qui va autour de l'emblème que tu as. Trouve le truc qui va autour de l'emblème que tu as. Ouais, je vais mourir. Ça sert à rien de le reprendre maintenant. De quoi tu parles, mec? Est-ce que je viens de me faire chasser par les serpents pour rien parce que tu sais pas expliquer les trucs? Tout est de ta faute, mec. Je vais te tuer. T'en fais voir. Je sais pas s'il faut que je retourne par là-bas ou pas, en fait. C'est ça, le problème. Je pense que tu sais quoi, la prochaine fois, je vais juste lire une putain de soluce pour éviter de me paumer, c'est tout, quoi.
tellement du mal à le lire. Mais ouais, écoute, un peu moi aussi, mais c'est pas la faute du bonhomme aussi, hein. C'est peut-être moi, hein. Je suis où, là? Je suis là, ok. Je vais t'étrangler. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi que tu vas étrangler? Ah non, hein. Pas encore, hein. On a vu ce qui s'était passé la dernière fois, mec, hein. L'emblème rouge va pas derrière la porte métallique dans le hall principal. C'est ça que je vais tester. C'est ça que je vais absolument tester. Fais voir, et si je prends celui-là? Bah non, mais je crois qu'on l'avait déjà testé en plus. Fais voir, attends. Je crois que j'avais déjà testé ça. Je crois que j'avais déjà testé de foutre celui qui était en pierre dans le portail, mais je suis pas sûr. Attends, on va voir. Ok. Et non, il n'y avait pas de hunter cette fois-ci. Ah, j'ai eu chaud aux couilles, en fait. Autour de l'emblème. Oui, on a compris, Max. Je vais juste essayer un truc. Voyons voir. J'en suis où? Ok, je suis là. Je crois que je viens d'entendre un loup hurler dehors chez moi. Mais t'es con ou quoi? C'était dans le jeu. C'était dans le jeu, hein, Drictan. C'est une blague? C'est une blague que tu fais ou... Ouais, non, t'es con. On est d'accord, t'es con. Ok, okay d'accord. Ok, ok. La vache, t'es facilement impressionnable, toi. Hein. Je veux juste m'assurer. M'assurer que c'est pas ça. J'ai un trop bon casque. Pff, voilà, l'autre. T'as un casque de gamer. C'est ça? T'as un true gamer? Regarde ça là, ça a pas dedans là ça? Si je fais use. Ah bah non. Merde. Et allez, putain, j'ai fait tout ça pour rien. Tu fais chier, Max, c'est toi qui m'as dit de venir ici. Hein. Franchement, tout est ta faute. Hein. Ça, l'Erika, le 11 septembre, tout. Tout. Je sais pas par où passer. Mais si ça marche normalement. Bah non, ça marche pas. Non, ça marche pas. C'est pas les bons symboles. J'ai rien dit. Si. Je te dis, tout est ta faute. Tout, pour toujours, et dans l'univers tout entier. Bon, alors attends. Merde. Est-ce que tu penses qu'on peut se barrer par les portes d'entrée? Mais c'est super bâtard. C'est super bâtard. Mais c'est extrêmement bâtard. Mais mec. Mais ça se fait pas, ça. On fait pas ça. Oh, les connards. Où est-ce que je pourrais aller pour tester des trucs? Donc ça va pas être là. Ça c'est fermé, ça c'est bloqué de l'autre côté. Et dans la cour, il reste des trucs, mais c'est des fusibles, etc. qui me manquent. Donc ça va pas être ça non plus. Résidence. C'est quoi résidence? Je sais même plus d'où c'est la résidence. C'est notre... Mais non, c'est pas le manoir. Hein. Il y avait ce piège sur PS1 aussi. Et bah c'est vraiment un truc d'enculé, je suis désolé. Putain, je suis toujours empoisonné en plus. Bon, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir aller dehors en fait. Mais c'est où des... Putain, on y accède comment déjà à la résidence, mec? Je me souviens plus. Ça va, le chien, il va plus faire chier. C'est bon, c'est mon chien maintenant. Good doggy. Enfin, je retourne dehors et que je refasse en fait tout le cheminement pour aller à la résidence. Et que je teste là-bas les trucs, quoi. Parce que là, ici, je sais pas s'il me reste des trucs à faire ici, en fait. On a quasiment déjà tout ouvert et tout ce qui est pas ouvert, c'est des choses qui s'ouvrent de l'autre côté. Donc, Mais voilà, il est là tout mon problème. Je sais pas pourquoi je m'obstine à jouer à des Resident Evil, quoi. Si tu peux pisser dehors, tu vas par l'arrière. Ouais, mais c'est chiant, imagine. Enfin, t'as des courses, tu viens de te garer. T'as deux packs d'eau, deux packs de lait, un pack de coca. Enfin, faut faire des allers-retours, ça casse les couilles, non? J'ai super faim, les mecs. Merde, putain, y'a l'autre qui va me chlasser en plus. Peut-être crever. Ta gueule. Il est mort? Voilà. Impeccable.
Si t'as un manoir comme ça, t'as des serviteurs aussi, non? Ah non, 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 pas forcément, mec. Eh oui, ton erreur, elle est là, mec. Ton erreur, elle est là. Pas forcément. Pousse, je passe. Pas ma faute. Moi, je sais que j'aurais pas de servant. Moi, j'aurais juste des androïdes. Tu sais qu'il y a une boîte de striptease à côté de chez moi. Et dans les soirées qui viennent, ils vont faire une soirée spéciale humanoïde. C'était sur leur affiche. Et je sais pas ce qu'ils veulent dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça change par rapport à d'habitude? Est-ce que... Sur l'affiche, c'était une nana à moitié cyborg. Je me dis, c'est vraiment la boîte de striptease du futur, tu vois. Ce sera ça dans quelques années, tu sais. Et ce soir, c'est spécial cyborg modèle NV2O. Je sais pas trop pourquoi, mais on verra bien. S'il y a des mecs qui veulent venir avec moi, écoute. Où est-ce que c'est la résidence, les mecs? Resident Evil 4. C'est quand? Je sais pas, je me souviens pas, mais je crois que c'est dans les jours qui viennent. Oula. Je suis désolé. Excusez-moi. Je crois que c'est dans les jours qui viennent, mais je suis pas sûr. Je revérifierai si tu veux, mais c'est vraiment pour toi. Hein. Non, mais je pense que c'est ça, ouais. C'est des meufs qui vont faire des cosplays de Navi, de Cyborg, de. Va y avoir Terminator, va y avoir etc. Oh! Mais il y a des zombies ici. Ah, mais non, mais oui, mais il y a des zombies en fait. Non, mais non. Non, mais je vais mourir. Non? Peut-être pas tout de suite? C'est quoi ça? Oh, ouais! Attends, excuse-moi, attends, bouge pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me débarrasser de toi. T'es vraiment vieux et pourri, toi. Un peu comme de Ryuji. De Ryuji, c'est le pote de Naruto. Quand le vent balayera la terre, les étoiles brilleront dans le firmament. Est-ce que c'est ça qui va dedans? Non, y a trop de côté. Putain de sa mère. Ça, c'est quoi? Et pose plus égale. Deux lignes verticales, une croix et trop... Oh là là, putain, mais qu'est-ce que c'est que c'est... Ta gueule, toi! Casse-toi! Oh, putain. Bon, bah, c'est pas là non plus. Oh, et puis l'autre, il veut jamais crever, quoi. Voilà, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Attends, recharge? Voilà. Donc, j'ai pas du tout les bons... Oh là là, les bons trucs. Oh, putain. Je vais me taper une cosplayeuse de l'IA du vaisseau de Mass Effect 3. Mais ça, j'ai toujours trouvé ça, mais tellement débilos, quoi. Tellement débilos. Genre, c'était tellement pas nécessaire. T'es littéralement... Ils sont dans un monde où tu peux créer toutes les races aliens que tu veux. Ils ont même fait en sorte qu'il y ait une race alien de lesbiennes ultra bonasses. Juste parce que c'est tous des gros nerds. J'ai envie de dire, enfin, au bout d'un moment, te fais pas chier à faire d'une IA quelque chose de compliqué avec des uns et tout. Fais juste d'autres aliens. Une IA, c'est une IA. Pourquoi ils font chier? Je comprends pas. Si c'est quelque chose que je comprends pas. C'est pas de bon sens que... C'est quoi? C'est pas de bon sens. Je sais vraiment pas où je vais en fait. Je sais pas trop ce que je fous. J'entends des petits bruits, des petits cracotements. Ah, mais c'est le feu. Ouais, je suis en mode normal, Max 77 Z. Je vais me casser direct. Non, c'est pas par là. C'est pas où je me casse, par là. Il n'est pas censé y avoir un vieux monstre dégueu par ici. Est-ce que j'ai de la vie? Est-ce qu'il me reste encore de la vie, là? Symbole du vent. C'est pas le vent qui va là-dedans, d'ailleurs? Oh, si, ça doit être ça. Je le sens bien que le symbole du vent, ça va dans la tombe, là. C'est quoi, on va tester? Vu que c'est un gros run de merde, on va tester ça tout de suite. Je vais retourner aux tombes. Et on va voir si c'est ça qu'il faut foutre là-dedans. Voilà. Donc ouais, il y a soirée humanoïde pour ceux qui veulent. On va faire un stream en direct de là-bas. Sur Elite Dangerous, il y a des stations spatiales qui passent du Mozart. Pff, quelle bande de péteux. Alors ça y est, ça va dans l'espace, ça se prend pour des gros érudits. Pourquoi pas du Chopin? Hein? Ou du... c'est de quoi on parlait là récemment? De... Merde. Debussy. Non, passe! Non! Non! Claire? Claire obscur?
Ah bah c'est bon, il est con. Jill, je veux dire, pas Claire, qui est con. Mais non, pas Angèle. Oui, Debussy. Et on disait que Debussy, il avait un style de composition très moderne. Parce que oui, la mégaforge, quand on parle entre nous, c'est pas forcément juste « Haha, le cul, haha, les fesses, haha, le gros gland », tu vois. Non, non, non. Non, Debussy, c'est... Mozart, je trouve qu'il est très surévalué. Et en plus, c'était, il adorait le caca. Alors ça, j'avoue, je peux... Non, 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 par contre... Non, mais fâche, t'es con, mais Russiane, mais réfléchis, quoi. Oh, la dernière save, elle est à des milliers de kilomètres. Kill me in my sleep, please. Pourquoi je l'ai pas buté, je sais pas. Je crois que je commence à être... pacifiste. Ça, c'est un problème. Là, c'est un gros problème. Est-ce que t'as laissé un fatch? Non. Non, c'est un mot que j'ai pas dans mon vocabulaire, fatch. Je suis pas du sud, donc ça me... Non, je l'ai pas. J'ai pas ce mot-là. Pourquoi, Drake? Ça t'aurait dérangé, peut-être? Connard de raciste. Est-ce qu'il faut que je récupère... Oh la vache, mais c'est super loin! Attends, il est où mon... Oh putain, Audi! Fatch! Il faut que je récupère la clé du casque encore. Oh là là, mec! Ça veut dire qu'il faut que je me retape encore le... Oh putain! Franchement, je pense qu'on va arrêter dans pas longtemps, quoi. Là, la save, elle vient de me démoraliser, quoi. Ça m'a démoralisé. Ouais, faut se retaper le serpent, ouais. Oh, mec. Oh, putain. Genre, c'était où? Oh, putain. Oh, là. Putain, ouais, ça fait 4 heures que je stream. Et 16 minutes, très exactement. Pff, qu'est-ce que je fais? J'arrête là? Franchement, il vaut mieux, non? À ce niveau-là, je pense qu'il vaut mieux. Quelque part, arrêter les frais. Bienvenue dans Resident Evil. Non, mais en plus, enfin, j'ai plus ou moins l'habitude d'aller dans Resident Evil. Je les ai fait tous, à part le 3, tu vois. Avec Code Veronica et 0. Je n'ai pas fait beaucoup, en fait. Mais... Je sais pas où je vais en plus là. Où est-ce que je vais? Je vais pas du tout au bon endroit. Si t'arrêtes là, t'es pédé. Ouais, mais ça au pire, je m'en fous, tu vois. Cette fois-ci, j'ouvre pas la porte par contre. Hein. C'est bon, me faire bouffer le cul par des chiens, j'ai donné. Hein. Si je puis dire. Ouais, si je puis dire, parce que là, c'est peut-être un peu tendancieux, mais. Putain, j'ai faim en plus. Momo, moi, un truc à bouffer. J'ai faim. T'es censé savoir, t'y étais avant. Mais merci, mais connard, si j'avais de la mémoire, je serais pas dans la merde comme ça. tu vois bien qu'il est là, le problème, enfin, Max. Tu vois bien que si tous mes mots viennent du problème de mémoire, très clairement. Il me reste des pâtes sauce gorgonzola. C'est super bon parce que en plus, je sais même pas ce que c'est, le gorgonzola. Ah non, putain, oui, c'est au niveau des casques. Attends, c'était où? Oui, c'est par là-bas. Si, c'est mon jet. Un burger mozza, avocat, steak, salade, tomate, sauce au choix. Ouais, je veux bien tout. Je veux bien toutes les sauces que t'as. Est-ce que Hitman 2 en multi... Je sais, Whisky, je suis en train de streamer, je sais pas. Je sais, je suis... Je peux pas là, mec. Je verrai plus tard, donc on a testé déjà avec Spider. On verra. Je sais même pas si t'es là, donc... Il me pose... Non, mais il est gentil, il me pose des questions, mais je peux pas m'occuper maintenant, c'est la merde. Là, c'est clairement la merde. Donc, on verra plus tard. Ok, alors... Ouais, ça, je vais prendre ça. Directos. Du coup, j'ai plus trop de place, mais c'est pas grave. Pourquoi j'ai gardé mon ruban encreur avec moi? Espèce d'énorme trou de balle. Oh non! Serpento! Serpento! Bim! Bim! Non! Ha ha! Oh! J'ai même pas eu mal! Bim! Oh! La vie! J'ai mal à mon corps! Mon corps!
Zas. Attends ta gueule. Ouais. C'est enculé. C'est bon. End time. J'ai pas pu lire ton message, Whisky. Je regarderai après. Ok. Et là, on ramasse... Oui, du coup, on va ramasser l'autre truc. Ok, c'est là-bas. Allez, laisse-moi passer. Ok. Voilà. J'ai pris des dégâts encore ou quoi? Ouais, je suis en attention. Mange une petite herbe. Voilà. Ça, on va ouvrir ça, récupérer ça. Et je pense que ce qu'on va faire, maintenant qu'on est revenu plus ou moins à ce qu'on était tout à l'heure, je vais retourner à une save et je vais sauvegarder. Et on va arrêter là. Parce qu'il va falloir quand même que je regarde une soluce à un moment, parce que je suis vraiment trop paumé, je sais pas à quel moment où il faut passer ou quoi. Est-ce que tu penses que je peux ouvrir cette porte avec un coup de lance-grenade? Ça a l'air un peu compromis, c'est con comme idée, non? On est d'accord? La poignée est cassée, non mais non, la poignée est juste cassée, je vais pas utiliser une grenade pour ça. L'anaconda, ça se mange. Mais c'est pas un anaconda. C'est un genre de gros python. Un python. Un méga python. Quelque part. Et je peux prendre l'autre herbe en plus. Oui, oui. A plus, ce pseudo. Merci de passer, mec. Ce fut goulayant. Je sais pas. Ok. Alors. On va aller trouver un point de save. Et on va aller save. Et comme ça... Pour la prochaine fois, hein, comme d'hab, je pense que ça va super bien se passer et qu'on n'aura aucun problème et que je pense qu'on finira le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il est où le problème? Le problème, il est là, voilà. Mais au pire, c'est pas grave, c'est notre côté un petit peu fleur bleue. Et puis promesse, et voilà, tu vois. C'est pas grave. Faut vous dire que c'est pas grave. J'espère que vous savez que c'est pas grave. Où est-ce qu'on peut save le plus tôt possible? Il va falloir que ce soit par là-bas, yes. Donc il faut rentrer par l'eau, c'est ça? C'est ça. Et ensuite, escalier, on monte. Bah non. Non, on descend. Oui, on descend. Et ensuite, il faut que j'aille bouffer un truc parce que je vais littéralement crever d'inanition, je pense. Voilà. On descend et on va pouvoir save juste là. Et ensuite, je vais vous abandonner pour des siècles et des siècles. Mais vous inquiétez pas, demain il y a gros stream avec l'équipe, samedi soir. Donc, soyez là, hein, comme d'hab, fidèlement, j'ai envie de dire. Je sais pas trop ce qu'on va faire encore, on hésitait entre The Forest et EDF5, mais on verra ce qu'on fait. En tout cas, gros bisous de ma part. J'espère que cette soirée vous a plu. Je suis Clacos. Moi, j'ai trouvé ça cool. Lost in Vivo, j'avoue qu'il m'a un petit peu... Ah, mais là, me paumer en boucle, ça m'a un petit peu calmé. Du coup, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain soir, les gars, parce que oui, je serai là. Et puis toute la semaine aussi, donc voilà. Allez, bisous, les gars. Ciao. C'est dégueulasse, non? Bah, c'est dégueulasse.